Welcome to IDRC. Je vous souhaite la bienvenue au CRDI. Je m'appelle David Malone et c'est un privilège pour moi de travailler ici. Nous avons énormément de chance aujourd'hui d'avoir avec nous le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est qui réunit le fait bon nombre de l'Asie au sud de la Chine et à l'est de l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Dans un article, la chronique de Tommy Cole, un diplomate du Singapour, a rédigé un article il y a deux mois dans le Globe and Mail et nous avons fait valoir que pour les Canadiens qui s'intéressent à l'Asie, ce n'est pas suffisant de s'intéresser à la Chine et à l'Inde parce que, de fait, le fil conducteur, c'est bien la région de l'ANAS. C'est une région en pleine croissance, très prospère, même si elle est quand même pas mal diversifiée par rapport au stade de développement et une occasion rêvée pour les Canadiens et Canadiennes qui veulent en savoir plus long sur le monde au plan universitaire, culturel, mais bien sûr dans le monde des affaires également. De fait, la région de l'ANAS pour ses rapports commerciaux sont très prospères et continueront d'évoluer. Nous devons donc nous y attacher. Notre ministre John Beardy est bien engagé aux relations avec l'ANAS et voilà pourquoi John Beardy, tout comme nous, nous réjouissons d'accueillir le secrétaire général. Alors, c'est un homme très polyvalent. Le fait de lui-même, c'est un éminent érudit, c'est un administrateur, vice-recteur dans son pays de la Thaïlande. Il a été député au Parlement et c'est un ministre des Affaires étrangères qui s'est distingué. Toute l'ANAS a profité de son leadership et ça a été d'excellent. Comme secrétaire général de l'ANAS, que nous ferons, nous allons l'écouter pendant une vingtaine de minutes environ et par la suite, il y aura un dialogue. Certains nous suivent sur le web. Il se peut que nous obtenions une remarque ou une question qui nous soit adressée par le truchement du web, mais j'espère que vous pourrez poser vos questions dans la salle également. Alors, Surim, vous avez la parole. Merci beaucoup. Thank you. Professeur, thank you very, very much. Merci beaucoup. Je remercie CRDI de cette occasion que vous m'avez accordée, une occasion importante à titre de secrétaire général d'une petite organisation, 10 pays, 600 millions de personnes dans l'Asie du Sud-Est, que je peux partager avec vous. Certains de nos espoirs, nos aspirations, nos rêves et notre vision pour nous. L'ANAS a été créée lorsque vous aviez 100 ans. 1967, lorsque l'Asie du Sud-Est était toujours divisée. Au plan idéologique, il y avait des différences. Était la force motrice des relations internationales. Nos chefs, nos dirigeants se sont réunis et pour décider qu'il nous fallait donc une plateforme où on aurait notre place, où il n'y aurait pas donc les grandes puissances du monde. Des gens qui sont allés aux rencontres Afro-Asie à Bagdoum en Indonésie, des gens comme Nasser, comme Nehru, comme Tito et Nkrumah, comme Chou En Lai. C'était les personnes à l'époque qui se retrouvaient sur le monde émergent du tiers-monde, donc sur la scène mondiale. Cinq de nos dirigeants se sont réunis de l'Indonésie, de Thaïlande, de la Malaisie, Singapour et les Philippines
et ont donc créé entre eux de nous créer notre propre place, notre plateforme, et nous appelons la NAS, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Et depuis, nous avons donné à la région, c'est la seule tribune pour des questions de sécurité, pour des questions politiques stratégiques, et maintenant de plus en plus au plan de l'architecture pour la région au complet en ce qui concerne la coopération économique. Je connais mieux certains des bourses au sud de la frontière, mais il y a seulement David Malone que je pouvais citer qui est canadien. C'était Henry Kissinger qui a fait observer à la fin du siècle dernier que tant que l'innovation et le progrès économique, le dynamisme économique, l'Asie du Sud-Est est au 21e siècle de l'Europe. Mais pour ce qui est des systèmes et des formes et des tribunaux, des institutions et des établissements, pour se charger des problèmes qui pourraient surgir dans la région, il a dit que l'Asie du Sud-Est, c'est l'Europe du 19e siècle. Alors, la NAS essaie de combler cet écart. La NAS offre tribune, une échiquier pour tous les joueurs pour qu'ils puissent venir articuler leurs intérêts, leurs revendications, faire part de leurs préoccupations d'une façon très ouverte et transparente. Ensemble, nous pouvons créer un environnement, un milieu plus stable qui permet l'échange de perspectives, d'idées. Tout le monde se sent bien à l'aise. Nous ne menaçons personne et nous accommodons tout le monde. Voilà comment nous se fait la coopération de l'architecture à la NAS. On a commencé pas de la même façon que l'Union européenne, où on avait des joueurs importants. On discutait de questions fonctionnelles. Nous avons commencé avec une petite poignée de pays qui voulaient donc nous tailler une place où on ne serait pas bousculé par des personnalités mondiales, et nous avons pu faire intervenir des pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, le Japon, la Corée, par le biais de l'Union européenne, grâce au dialogue de partenariat. Alors, la NAS a deux objectifs, sans entrer dans les détails. Dès le départ, le progrès économique et la démocratisation. Nous avons débuté, nous tous, si vous vous en souvenez, c'est David, nous étions au début une réunion d'États centralisés, un gouvernement très fort qui apportait une stabilité, une continuité, un appui en matière de politique pour assurer la croissance économique, pour l'investissement dans tous nos pays. Et en cours de route, nous avons connu une croissance de 6 à 7 dans les années 88, 9, 10 et nous avons pu offrir un milieu propice, stable, une croissance stable, et cela a attiré énormément d'investissements dans notre région. Tenant compte de cette croissance constante et soutenue de notre économie, nous avons pu faire place pour permettre à plusieurs intervenants. La société civile s'est développée, les partis politiques également. Il y a de la place aussi pour l'économie, les médias se sont développés. Et tous ces pays, d'une façon quelconque, se sont ouverts et sont devenus plus complexes, plus sophistiqués. Notre peuple, donc, est allé chercher sa place, sa liberté et sa démocratie dans plusieurs de nos sociétés, nos États membres.
Mais il y a cette ouverture qui va dans une direction. Le tout dernier phénomène, c'est l'ouverture du Myanmar. Nous avons donc accusé beaucoup de pression de la communauté mondiale. Myanmar est à l'intérieur, on voulait l'ouvrir, on voulait l'aider à prospérer, à se démocratiser. Et nous avons dit donc, laissez-nous faire ça à notre façon, la façon de la NAS, tranquillement, doucement, en donnant des conseils, de l'encouragement. Mais bien sûr, on a eu des pressions de la communauté mondiale, ce qui nous a aidé également. Mais ensemble, nous avons aidé le Myanmar de s'ouvrir. Et maintenant, en ce jour, San Suu Kyi maintenant est à Washington. Aujourd'hui, elle est à New York. Et c'est donc un joueur important à l'intérieur du Myanmar et pour le paysage de la NAS en matière de démocratisation et de droits de la personne. Je dois dire que nous avons un objectif double de la NAS, la croissance économique et l'ouverture de toutes ces sociétés. Et nous sommes toujours engagés face à ce travail. C'est un travail en évolution. Ensemble, 600 millions de personnes, 2 billions de dollars de PIB. Alors, les autres, ce sont des petites économies boutiques, mais ensemble, 2 billions. Mais nous échangeons avec le monde environ 2,4 billions. Et voilà pourquoi c'est devenu fort attrayant pour la collectivité, la communauté mondiale. Monsieur Obama a dit que si les États-Unis veulent se sortir de la crise, nous devons exporter davantage, nous devons vendre davantage. Et où sont les consommateurs et où sont les marchés? C'est vous, au milieu de la croissance, qui vous êtes au centre, l'Asie du Sud-Est, la classe moyenne augmente, le pouvoir d'achat augmente également. Et nous voulons non seulement une croissance physique, croissance matérielle. La classe moyenne, qui fait partie de la NAS, veut une qualité de vie, c'est ce qu'ils recherchent, meilleure possibilité d'éducation pour leurs enfants, et c'est un des domaines où le Canada peut jouer un rôle très important. Je viens de discuter avec M. Ed Fast, le ministre du Commerce international, ce matin, mais il y a d'autres pays qui croient que l'éducation, c'est une denrée que l'on exporte. L'éducation est perçue comme étant un service à exporter. L'éducation est perçue comme un domaine où pourrait avoir énormément d'échanges étrangers. Nous aimerions que le Canada joue un rôle actif dans le domaine, puisque la classe moyenne souhaite vivement une meilleure qualité d'éducation pour ses enfants, soit ici ou par le biais d'une coopération et d'une association avec les universités de notre région. Les universités américaines le font, Singapour le fait en Malaisie, et les pays européens le font à d'autres endroits de l'Asie du Sud-Est. Le Canada a donc la reconnaissance, la bonne volonté, et le multiculturalisme, en fait, c'est la voie de l'avenir. C'est un monde mondialisé. Non seulement est-ce que vous en parlez, vous le vivez. Non seulement est-ce que vous le vivez tous les jours. Moi, j'entre et je sors du pays, je sens que le multiculturalisme est un mode de vie ici. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un message publicitaire. Et les parents de par le monde l'apprécient beaucoup, en particulier les parents de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie de l'Est.
Alors, la classe moyenne qui devient plus nombreuse, plus de pouvoir d'achat. Donc, il y a aussi les investissements que nous aimerions. Nous aimerions qu'il y en ait davantage, plus d'expertise canadienne, plus d'innovation canadienne, plus d'entreprises canadiennes qui viennent dans l'Asie du Sud-Est pour profiter de ce contexte. Le Canada est notre partenaire. Nous dialoguons avec le Canada depuis longtemps. C'est le 35e anniversaire de l'ANAS Canada de partenariat. De fait, mon voyage fait partie de cette célébration. Je vous remercie beaucoup. Mais il y a également de possibilités qui s'offrent pour l'avenir. C'est notre seule imagination, notre génie qui peut limiter la croissance dans l'avenir. Dans le domaine de l'énergie, de la technologie, surtout la technologie verte et propre, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la sécurité alimentaire, sécurité de l'énergie, ce sont des domaines de croissance possible, de coopération et de relations entre l'ANAS et le Canada. Alors, dans l'Asie du Sud-Est, l'architecture change assez dynamique. Il y en a un qui s'appelle le sommet de l'Asie de l'Est et le Canada s'y intéresse beaucoup. Ce sommet de l'Asie de l'Est a débuté en 2005 et là, encore une fois, je remonte à ce qu'a dit Henry Kissinger. Il n'y a pas d'établissement de système de procès qui peuvent régler des problèmes qui pourraient surgir. Il y a plusieurs points, il y a plusieurs lignes de faille. Vous lisez cela, il y a la Chine et le Japon, la Chine et certains des pays de l'Asie du Sud-Est, le Japon et la Corée, la Chine et l'Inde. Il y a une province de l'Inde qui n'est toujours pas reconnue par la Chine. Elle ne reconnaît pas qu'elle appartient à l'Indien. Alors, les lignes de faille sont partout. Et l'ANAS tente d'établir des institutions, des moyens et pour trouver solution à ces problèmes. Le sommet de l'Asie de l'Est est au plus haut niveau, a vu le jour en 2005. 10 pays de l'ANAS ainsi que 6 partenaires qui dialoguent. Et dans la région, le Japon, la Chine, la Corée, la Nouvelle-Zélande, en fait, l'Union européenne aimerait en faire partie de cette table. Le Canada a exprimé un intérêt et souhaite faire partie de cette table, mais l'architecture évolue. L'année dernière, nous avons admis les États-Unis et la Russie et nous aimerions consolider, nous aimerions que ça marche, nous aimerions que cela soit efficace. Nous tenons bon compte de l'intérêt du Canada. Le Canada souhaite en faire partie. Et la demande canadienne est bon. C'est un dossier actif, si je peux m'exprimer ainsi. Nous aimerions une intensification de la présence canadienne, de l'engagement, de la contribution du Canada dans la région. Dans la mesure du possible, et l'ACDI travaille activement au niveau de la base, au niveau du peuple, au niveau de problèmes non traditionnels, de conflits, des questions de moindre importance, c'est-à-dire nous voulons construire des communautés où il fait bon vivre, où c'est plus sécuritaire, les questions de pauvreté, d'égalité entre l'homme et la femme, droit de la personne et de la primauté du droit. Ce sont les domaines où le CRTI et l'ACDI ont joué un rôle actif. Le dernier instrument que nous avons établi ensemble s'intitule
le Conseil des affaires du Canada et de la NAS, la CBC. Cette plateforme servira comme tremplin et permettra donc une plus grande pénétration du monde des affaires du Canada dans les 10 économies des pays de la NAS. Et parce que nous avons des ententes de libre-échange avec ces pays, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon et la Corée, et nous évoluons ces accords de libre-échange, en deviendra un, et ce sera donc le domaine de libre-échange le plus important si jamais on réussit. Cela représentera 30 % du PIB mondial, 30 % du commerce et représentera presque 50 % de la population mondiale. Nous avons tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous êtes intéressé par le TBD et certains des membres aussi s'intéressent à cela. Et pourtant, c'est ce partenariat économique global de l'ANAS qui compte. C'est le RCEP. Donc, nous avons les fondements déjà en place et nous avons notre élan entre nous. Voilà donc ce que le Conseil d'affaires de l'ANAS et du Canada peut promouvoir et stimuler, faire venir les compétences, l'excellence des produits et des services du Canada dans notre région. Bon, centre de croissance, centre de gravité, le pivot des architectures régionales, nouveau secteur de croissance et vraiment, la région est accueillante et s'attend à un engagement accru de la part du Canada. Et les quelques dernières années ont prouvé que votre gouvernement a fait beaucoup de travail actif avec nous et nous espérons certainement que les gens d'affaires du Canada emboîteront le pas pour venir profiter de ce que nous avons construit chez nous avec votre aide, votre appui depuis le début, depuis 35 ans. Nous étions 10 quand vous êtes devenu un partenaire et maintenant nous sommes 45. Comme je l'ai dit, nous sommes nés quand vous célébriez votre centenaire. Et voilà que maintenant nous cheminons ensemble depuis 35 ans. 35 ans entre l'ANAS et le Canada. Nous avons beaucoup accompli ensemble pour le bien des peuples ici comme en Asie du Sud-Est. Et je m'arrêterai en disant, si 600 millions de gens dans les pays de la NAS peuvent réaliser et atteindre nos objectifs, nos rêves, notre vision, un pays comme le Canada, actif sur la scène mondiale à plusieurs égards, dans la communauté mondiale aura une région de moins dont elle devra s'inquiéter parce que les gens, les peuples de l'ANAS pourront s'occuper d'eux-mêmes avec votre aide, votre appui, votre encouragement. Merci pour ces 35 années d'amitié. Great. Magnifique. Le secrétaire général a bien voulu accepter de rester, comme je l'ai dit, pour répondre à vos questions ou entendre vos observations. Alors, pour ouvrir le bal, d'abord, je vous dirai qu'il y a un micro ici dans la salle. Alors, si vous avez une observation ou une question, rendez-vous au micro pour que les interprètes puissent vous entendre.
Alors, Serene, vous avez dit qu'il y avait de belles possibilités pour le Canada au niveau des études supérieures dans les pays de la NAS. Je pense que c'est vrai. Et nous avons reçu plusieurs étudiants étrangers au Canada au fil des ans. Mais je me demande si le Canada ne va pas se détacher du reste du monde. Il est aussi important pour les étudiants canadiens d'aller étudier à l'étranger, pas nécessairement dans des institutions étrangères, mais il est important pour nous de recevoir des étudiants étrangers. Nos universités les accueillent toujours à bras ouverts, mais pour que notre relation vraiment se développe, fleurisse, il faut que les Canadiens continuent de s'engager avec le reste du monde. Alors j'espère que les étudiants du Canada iront dans les universités des pays de la NAS en grand nombre. Leur qualité ne cesse de s'améliorer dans votre pays, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie. Et nommément, il y a d'excellentes institutions où on peut étudier là-bas et j'espère que nos étudiants iront. Nous l'espérons aussi. Ça doit se faire dans les deux sens. Il nous faut faire plus de promotion, vu que le Canada est un pays spécifique. La position particulière du Canada, c'est qu'il faut se tourner vers l'ouest pour arriver à l'est. Alors, nous aimons bien ce genre de politique, mais ici, il faut regarder vers l'ouest pour arriver à l'est. Et je pense que on se prépare pour l'avenir. Si c'est vraiment le siècle du Pacifique, nous y travaillons fort. Et nous aurons un long avenir, mais nous aurons besoin de l'infrastructure humaine. Il nous faut créer des réseaux humains pour maintenir nos relations à l'avenir. Je viens de dire à votre ministre de la Coopération internationale, M. Fantoni, qu'il serait important de justement promouvoir les déplacements de chercheurs, d'étudiants, de doctorants, les encourager à venir en Asie du Sud-Est pour mieux comprendre les enjeux, les problèmes, les gens qu'ils veulent étudier. Donc, sans une meilleure compréhension entre nous, nous n'aurons jamais le réseau humain qui nous aidera à grandir dans notre relation à l'avenir. Il y a une institution en France qui s'appelle INSEAD. Le campus principal est à Fontainebleau. Et on a demandé, ils ont aussi un campus à Singapour. Et on a demandé aux étudiants, si vous aviez le choix entre Fontainebleau et Singapour, où iriez-vous? 85-90% ont dit qu'ils préféraient être à Singapour. Parce que c'est là où se trouve le marché, les emplois et les possibilités de croissance. Là, au plein cœur de la région de l'Asie de l'Est et de l'Est de l'Inde. Les universitaires canadiens, les chercheurs canadiens, les étudiants canadiens devraient être encouragés à venir chez nous. Mais comme je l'ai dit, ça doit se faire dans les deux sens. Magnifique. Monsieur. Je suis très heureux d'entendre autant parler d'éducation, de savoir et d'affaires. Personnellement, je pense que le Canada et l'Asie du Sud-Est pourraient travailler sur des dossiers comme la gestion du savoir, mais aussi, comme vous le savez, le Canada est l'un des meilleurs pays, Singapour aussi, avec le cybergouvernement. Alors, au sujet de l'éducation, c'est pas seulement pour la classe moyenne. Moi, j'ai eu le privilège de travailler dans tous les pays de la NAS et c'est important de partager les connaissances avec les plus pauvres. Je ne
parle pas d'éducation formelle, je parle des moyens de partager les connaissances avec les communautés éloignées, depuis l'hygiène jusqu'à l'agriculture, jusqu'à tout autre domaine. Quand on parle du point de vue du partage du savoir, de développer des sociétés du savoir, comme vous l'avez dit, cela doit se faire dans les deux sens. Les Canadiens pourraient beaucoup apprendre, mais pourrait aussi contribuer au développement de sociétés du savoir, surtout en Asie du Sud-Est. J'ai peut-être des préjugés parce que moi, j'ai vécu à Singapour, j'ai vécu dans tous les pays de la NAS, mais je crois que c'est la société du savoir, le partage des connaissances, c'est important. Inaudible. Oui, nous reconnaissons le fait que nous devons faire preuve de plus d'innovation, qu'il faut faire plus de recherche et de développement, qu'il faut continuer de développer les technologies. Sinon, parce que nos modèles de croissance, nous tous, Singapour y compris jusqu'à dernièrement, nous tous étions ouverts aux capitaux de l'étranger parce que nous avons l'environnement parfait, nous avons la stabilité, la continuité, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis, la technologie est venue de l'extérieur. Et la gestion de ces investissements est venue de l'extérieur. Nous produisons des produits et services aux fins de consommation dans les marchés internes, mais au début, on se servait de nous comme des centres de production à distribuer à l'extérieur. Donc, des capitaux de l'extérieur, des connaissances de l'extérieur, la gestion de l'extérieur, production pour les marchés extérieurs. On essaie de changer de paradigme. Ce que nous faisons maintenant, pour éviter cela, le piège du revenu moyen. C'est-à-dire que si votre industrie dépend d'une main-d'œuvre intensive, de matières brutes et ensuite de mesures de protection environnementale piètres, eh bien, il y a bien des pays dans le monde qui ne peuvent pas suivre ce même modèle de croissance. Et nous devons faire concurrence aux économies émergentes. Et c'est évident que toutes les économies peuvent se rattraper, mais on va être coincé dans ce piège du revenu moyen. Singapour dépense beaucoup en recherche et en développement, mais les autres beaucoup moins. Donc, le développement du savoir, la distribution du savoir, le partage du savoir, l'innovation, la recherche et le développement, c'est la voie de l'avenir pour nous dans cette région de la NAS. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de focaliser sur l'éducation de la jeune génération. Sinon, on se retrouvera pris au piège. Nous ferons concurrence à tous les autres marchés émergents qui font exactement tous la même chose. Et ils ont plus de gens, une main-d'œuvre meilleur marché et moins de dépenses. On ne peut pas faire concurrence. Donc, il faut vraiment aller au niveau suivant. Singapour prend l'initiative, est au devant du peloton, mais oui, industrialisation qui repose sur le savoir. Vous avez peut-être déjà répondu à ma question, mais je suis scientifique dans un hôpital et moi j'aime beaucoup la recherche médicale et l'éducation. Ma question, quelle est la vision de la NAS pour accroître la recherche scientifique et médicale, les capacités, mais aussi les ressources humaines qu'il faut au pays de la NAS pour devenir une société plus axée sur le savoir? Eh bien, ça va bien pour le tourisme médical chez nous. Quand vous venez dans nos hôpitaux, ils ont l'air d'hôtels 5 étoiles. Et si vous ajoutez à cela la façon dont on traite les gens, c'est doux comme de la soie. C'est toujours très amical, très convivial. Et je pense que nous sommes très bien positionnés. Mais évidemment, il faut continuer d'innover, continuer de faire de la recherche et continuer de faire du développement.
je suis d'accord que dans le domaine médical, nous achetons probablement la technologie, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Nous n'en faisons pas suffisamment de notre propre initiative, mais les choses commencent à changer. Je pense que vous allez voir que la propriété intellectuelle dans divers services médicaux sont de plus en plus souvent enregistrés à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie. C'est vraiment un domaine en grande croissance. Et nous faisons cela de concert avec d'autres institutions dans le monde, pas seulement entre nous, mais on essaie d'attirer la crème de la crème du reste du monde. Comme je l'ai dit, il y a au moins 3 pays maintenant qui sont devenus des destinations de tourisme médical, Singapour, la Thaïlande et la Malaisie. Et ceci pourrait continuer de se développer encore plus rapidement. Et permettez-moi d'ajouter un mot là-dessus. D'abord, le fait que la qualité de la science dans la région de la NAS et la capacité des chercheurs dans cette région augmente sans cesse avec tout le reste. Et le CRDI appuie beaucoup de travail qui se fait en Thaïlande, au Cambodge, au sud de la Chine, au Laos, dans le domaine de la santé humaine, santé animale et des facteurs environnementaux. Parce que c'est souvent là où se développent les virus qui frappent toute la planète. Et les scientifiques qui font ce travail viennent de ces pays-là. Ils ne viennent pas d'ici. Il y a donc beaucoup de travail très prometteur qui se fait là-bas. Deuxième point, par l'intermédiaire d'une initiative du gouvernement du Canada, sous l'égide du Fonds de développement, vous avez probablement vu sur le site web et dans les journaux qu'il y a une nouvelle institution qui s'appelle Grand Challenges Canada, Grand Défi Canada, qui cherche à rendre hommage à un niveau innovateur dans le domaine de la médecine, surtout dans le monde en développement, parfois au Canada, qui travaille sur les problèmes du monde en développement et souvent qui travaille ensemble. Alors j'espère que vous vous intéresserez à cela. Ces grands défis aiment bien annoncer leurs concours ouvertement, mais si vous avez de la difficulté à les trouver, parlez-en et on vous donnera les liens. J'ai très confiance, moi, dans la science, dans le sud-est de l'Asie. Je viens du Forum Nord Sud et je parle d'intégration économique. Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Est-ce qu'il y a des réussites? Les indicateurs, vous avez dit? Non, l'intégration économique entre les pays de la NAS. Oui, c'est un pilier très important. Et ce qui est le plus attirant pour les gens, parce qu'ils auront davantage de produits et de services, meilleure qualité également de ces produits. Et le libre échange de biens, de services, il faut que ce soit égal, équitable entre les pays de la NAS. On ne veut pas que le fossé entre riches et pauvres devienne plus grand. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir être compétitif, soutenir la concurrence. Alors, il faut que ce soit une intégration sans faille. Vous pouvez regarder certaines des statistiques. Le FDI, proportionnellement, est plus élevé qu'ailleurs dans le monde. Alors, le revenu par capita pour le pétrole est plus élevé parce que ça croît. Et environ 90 billions de dollars dans le secteur de services en dollars américains, ce qui signifie que les gens et les consommateurs
aimerait avoir une qualité de vie et de service, aimerait une meilleure éducation pour les enfants, meilleurs soins de santé, meilleure communication, meilleure logistique. 70% des FDI, ce qui représente environ 100 millions qui se retrouvent dans le secteur des services, ce qui signifie que la région et propice, le pouvoir d'achat augmente la classe moyenne. Ce sont les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer et c'est fort attirant pour la population puisque on parle de choix sur les tablettes des supermarchés et du prix, de la qualité des aliments, mais évidemment, on travaille aussi sur la sécurité politique. On veut créer aussi une nouvelle identité pour notre peuple, la deuxième identité. Donc, on fait partie de la NAS et on est citoyen du Singapour également, etc. Alors, c'est ce que l'on dit aux Européens. Nous voulons atteindre ce que vous avez atteint. Et bon, ils ont dit beaucoup, on a atteint beaucoup moins que vous ne le croyez. Il y a quelqu'un d'autre derrière vous? Très brièvement, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura un marché commun à un moment donné? Mettons, donc, intégré, axé sur la production et un marché intégré, combiné, mais il ne s'agira pas d'une seule devise. Et l'Europe ne nous a pas donné un bon exemple. Merci. Merci de votre allocution et merci d'être venu. Personnellement, j'aimerais recommander les études en Asie du Sud-Est. Je me suis beaucoup aimé mon temps à Singapour. J'allais vous parler d'intégration économique, mais vous en avez déjà répondu à la question. Je vais vous parler donc d'intégration institutionnelle entre les pays de la NAS. À quoi ressemblera l'avenir dans ce domaine et l'avenir du secrétariat de la NAS comme secrétaire? Alors, et également la question de monsieur derrière vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris la parole. Les études en Asie du Sud-Est, je suis d'accord. J'ai étudié à Thammasat et j'ai bien aimé mes études. Qu'est-ce que vous avez étudié? Ah, l'économie. J'aimerais savoir si vous pouvez nous parler des forces et des faiblesses du Canada pour ce qui est de l'engagement du Myanmar au plan économique. C'est le point de mire en ce qui concerne les possibilités en Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce que le Canada pourrait faire pour augmenter son rôle avec le Myanmar? Et l'Australie a fait un effort important pour que les citoyens de l'Australie apprennent la langue des pays du Sud-Est, surtout des universités comme UNU. Est-ce que vous croyez que cela est important pour le Canada, pour les Canadiens qui veulent tenir compte du fait que la langue de travail pour la NAS, le pays de la NAS et les deuxièmes nationalités dont vous parlez, la citoyenneté pour les citoyens de la NAS, c'est l'anglais lorsqu'on est au Myanmar? Est-ce que ce serait important que les jeunes Canadiens qui s'intéressent à le faire apprennent le Myanmar ou non? Merci beaucoup. Eh bien, la première question, le développement institutionnel des pays de la NAS. Nous devons essayer de trouver un équilibre entre l'intégration entre nous et afin de devenir un groupe de pays un peu comme l'Union européenne, ce que l'Union européenne a atteint, mais je dois toujours dire que l'Union européenne, c'est une source d'inspiration, mais non pas notre modèle, étant donné la diversité qui existe parmi nous, énormément de diversité, une monarchie, il y a deux ou trois monarchies, mais certainement des monarchies actives. Qui aide même à gérer le pays, deux ou trois pays, deux pays communistes.
un ou deux, un seul parti politique très fort. Et il y a aussi des démocraties qui font beaucoup de bruit, comme l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, très ouverts, veulent bien participer, sont bien actifs. La diversité en matière de gouvernance, la diversité en matière de culture, en matière de religion et d'histoire ne nous permettrait pas de créer une union. Une union, ça nous le comprenons. Il faut donc faire attention. Les gens nous ont critiqués. Ils nous disent que nous pratiquons ce qu'on appelle ce principe de non-interférence. Mais c'est le fondement des relations internationales de par le monde. Ça se trouve dans la Charte des Nations Unies. Et surtout dans des pays de l'Asie du Sud-Est, étant donné la diversité, il faut faire bien attention. Sinon, on ne pourrait se tenir les coudes. Alors, le dénominateur le plus faible, nous on bouge à la vitesse, à la rapidité du membre le plus inférieur. C'est frustrant, à un moment donné, on est critiqué et on se plaint de cela souvent, mais la seule façon de tout réunir, c'est d'aller à une vitesse qui plaît à tout le monde. Alors, les établissements doivent évoluer très lentement. On ne peut pas penser à une union, on peut seulement penser à une communauté. Nous avons été une association pendant bien longtemps. L'ANAS est une association des pays de l'Asie du Sud-Est. Maintenant, on veut aller dans les communautés. Cela signifie qu'on peut créer un avenir des approches en commun, une coordination meilleure, coordination face à plusieurs questions, mais union, on ne peut y penser, c'est bien loin dans l'avenir, et une devise, non, pas pour l'instant. Le secrétariat, eh bien, étant donné la diversité qui existe, qui n'est pas la même que l'Europe. En Europe, ils pouvaient créer ce qu'on appelle un mécanisme central que l'on connaît comme la Commission européenne. Et qui a le pouvoir de façonner des politiques, des initiatives que tous les États membres devront adopter et à partir de Bruxelles, ça se retrouve aux autres pays membres. On n'a pas ce type d'entente, il y en a. La prise de décision se fait beaucoup dans la capitale. Alors, ce mécanisme central, ce qu'on appelle le secrétariat de la NAS, comment est-ce qu'on peut lui permettre de prospérer, d'évoluer? On ne peut pas aller trop vite ou essayer d'en faire trop en même temps. Il faut faire ce qui plaît aux membres. Mais les États membres, les dirigeants se rendent bien compte qu'afin d'évoluer, de devenir une communauté, il faut un secrétariat actif doté de ressources qui pourra prendre certaines initiatives, qui pourra donc transiger avec les pouvoirs internationaux. Et on y réfléchit, mais encore une fois, il faut atteindre un équilibre entre les États membres qui sont toujours jaloux du pouvoir, la souveraineté, la prise de décision et la façon dont nous voulons ensemble évoluer. Il nous faut un mécanisme central qui soit efficace. Et voilà ce que l'on envisage en ce moment. Je suis en train de rédiger ce rapport. J'y ai passé 5 ans, les 5 premières années sous la charte et nous y réfléchissons. La prochaine question portait sur c'est ça, les forces, la langue au Canada. Le Canada a la marque de commerce à la bonne volonté également, donc à l'excellence à plusieurs égards, mais se commercialise moins que d'autres qui ont des choses moins excellentes à offrir. Votre éducation, par exemple, votre technologie.
Chaque fois que je parle du Canada, je parle du multiculturalisme qui existe ici. Vous avez pu évoluer et vous avez pu établir. Eh bien, c'est la voie de l'avenir. Et je crois que cela pourrait intéresser les autres pays de savoir comment vous avez conçu un tel système. Eh bien, c'est par tâtonnement, bien sûr, mais c'est une société qui est bien vivante, où vit ce concept de pluralisme de multiculturel. Et c'est la voie de l'avenir pour la collectivité mondiale. Et essayer de transmettre un tel message avec confiance. Ce gouvernement commence à y accorder un effort soutenu. Alors que l'anglais est la langue de travail de la NASA, oui, mais lorsque la communauté existera, la moitié de la communauté parlera malais, la moitié du 600 millions, 245 est déjà en Indonésie, la Malaisie, le sud de la Thaïlande, le sud des Philippines, au Cambodge, Brunei. Les gens à Singapour parlent malaisien et que l'antenne de Singapour est toujours en malais. On n'a pas changé. L'antenne est en malais à Singapour. Alors, la langue en Malaisie sera la langue de facilité dans la région. Mais nous savons bien, côté pragmatique, qu'il nous faut une seule langue centrale qui permet de communiquer donc nous, aux entrepreneurs, aux personnes, aux peuples, aux gens dans la région, dans le domaine de la diplomatie, du commerce, de l'informatique. Alors l'anglais est la langue de travail de la NASA. Ça se trouve dans la charte. Si vous parlez anglais, j'imagine que oui. Vous débrouillerez bien dans la région. Le Canada et le Myanmar. Je pense qu'on pourrait tous prétendre. Le Canada a été dur par rapport au Myanmar et la NASA. Plusieurs partenaires en dialogue. Nous n'avons pas pu nous développer pleinement étant donné les sanctions qui existaient contre le Myanmar dans le passé. Ce n'est pas seulement le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, les États-Unis, tous ces pays sont pareils. Mais ensemble, nous avons pu aider le Myanmar à prospérer, donc à laisser de côté son passé. Et il y a cette ouverture qui existe maintenant. Il y a des occasions qui existent. Le pétrole, le gaz naturel, les minéraux, l'éducation, l'innovation, tout cela on peut apporter au Myanmar. Plus de 60 millions de personnes. C'est un grand pays avec énormément de ressources au plan stratégique, situé au plan un point stratégique entre les deux géants, les marchés émergents des géants de l'Asie de l'Est. Vous avez envoyé des ministres là-bas. C'est une très bonne initiative et je crois qu'il y aura énormément de débouchés. Je sais que vos collectivités, que le monde des affaires attend de faire affaire lorsque le tout sera prêt. On vient tout juste d'adopter une loi pour l'investissement de l'étranger. Ils font ça très rapidement, ce qui étonne plusieurs. La réconciliation à l'intérieur va bon train. Est-ce qu'on s'inquiète de revers? Nous avons bien dit qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de revers parce que pour l'année 2014, c'est donc que c'est irréversible. On ne peut changer la direction au Myanmar. Il faut ouvrir, il faut évoluer. Somme toute, donc, some credits.
on pourrait s'attribuer un certain mérite. Nous avons aidé le Myanmar à sortir de l'ombre du passé et c'est un pays où il existe un potentiel inouï qui mérite votre coopération et votre soutien. L'ACDI, le CRDI et d'autres secteurs, l'éducation, beaucoup, ils ont besoin d'aide. Il y aura des occasions pour le Canada de jouer un rôle. Somme toute, dans l'Asie de l'Est, dans les pays qui font partie de la NAS, il faut fonctionner pour que les gens ne sentent pas qu'on leur impose des choses. Les gens sont modérés, assez ouverts, on parle d'une ouverture d'esprit, assez souple et souhaitent donc la participation avec le reste du monde. Et de fait, c'est une idée que je vous lance. Monsieur David Malone a écrit un livre là-dessus derrière. Et je pense que la voie qui mène à la réconciliation entre l'Ouest et le monde musulman, cette voie, ce chemin, passera peut-être par l'Asie du Sud-Est, puisque la modération existe là, la souplesse également. Et bon, et on a ce sentiment qu'on souhaite la bienvenue à l'innovation. Évidemment, dans l'Asie du Sud-Est, l'extrémisme existe, mais ce sont des petites... Ce n'est pas commun. C'est isolé. Et vous venez en Asie du Sud-Est et vous regardez la façon dont nous vivons nos religions. Ce n'est pas, il n'y a rien d'extrême. C'est toujours la modération qui prime et je pense que c'est bon pour le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serene. Merveilleux. Il y a 2 mois environ, c'était tout juste après le sommet de pays de la NAS, les ministres se sont réunis, non pas seulement les ministres étrangers des pays de la NAS, mais les ministres de par le monde. Hillary Clinton y était et tout le monde y était. Et ça ne se produirait pas ailleurs dans le monde, ce n'est pas une coïncidence. C'est une organisation régionale, donc dont le rayonnement mondial a tellement réussi auprès des pays développés du monde. Ce n'est pas tout simplement une question d'argent, parce que c'est vrai que la croissance est très rapide en Asie, mais d'autres parties du monde en développement connaissent une croissance rapide également aujourd'hui, heureusement. Et c'est à cause du poids de l'Asie, ainsi que la richesse qui existe en Asie. La moitié de la population du monde s'y retrouve. Les plaques tectoniques sous l'Asie, maintenant qui commencent à se frotter, à se frapper, ça inquiète l'Asie et d'autres de par le monde. Alors la NAS a un rôle à jouer dans le but de résoudre la tension qui existe et voilà pourquoi après la réunion du forum de la NAS, cela a été écrit. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous comment est-ce que les Canadiens puissent tisser des liens avec la région de la NAS par le biais des connaissances, du savoir, de l'éducation, du commerce, bien sûr, de la science. Il y a tellement de moyens. Mais le seul choix qui ne serait pas intelligent de la part du Canada serait de ne pas tendre la main à l'Asie. Alors, je vous remercie beaucoup.